Le président de la FIFA, Gianni Infantino, au cœur d'une nouvelle polémique. Il est soupçonné d'avoir laissé la fédération turque bafouer son propre règlement afin de protéger les clubs qui avaient été éclaboussés en 2011 par le scandale des matchs truqués, parmi lesquels celui de Fenerbahçe. Ces soupçons font suite à la publication par les quotidiens Le Monde et Le Guardian d'un mail de Gianni Infantino datant de janvier 2012 alors qu'il était président de l'UEFA. Dans ce document, il donne son aval à la fédération turque qui propose de mettre en place une gamme de sanctions spécifiques pour les équipes coupables, comme un retrait de titres, de points ou des amendes, alors que son règlement stipulait une relégation. Les sanctions ont donc été moins lourdes que prévues. Contacté par l'AFP, Gianni Infantino a tenu à souligner que 4 clubs turcs avaient été interdits de participation à des compétitions de l'UEFA, dont Fenerbahçe qui avait été exclu de la Ligue des Champions.